Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse ce soir et je suis très contente d'être ici avec vous. Nous allons aussi saluer ce soir à tous les frères, toutes les sœurs et toutes les personnes qui nous voient à travers le vidéo lors des études bibliques qu'on envoie à travers différents lieux du monde. Un grand bonjour pour vous tous qui nous voient ici depuis Rotterdam, ici en Hollande. Donc que Dieu vous bénisse énormément à vous tous. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le livre de Job et nous allons ouvrir notre Bible dans le chapitre 13 de Job. Et nous continuons en train d'analyser les raisonnements de Job. Nous continuons à apprendre la forme, comment il faut avoir beaucoup de patience et d'être constant et ferme dans le chemin de Dieu, en train d'apprendre de Job, à valoriser Dieu et valoriser ce privilège que Dieu nous a donné de permettre que nous puissions connaître ses chemins, que nous puissions connaître Dieu et que nous puissions sentir la présence de son Saint-Esprit. Nous pouvons sentir que Dieu est en train de nous regarder, de nous guider à travers un meilleur chemin. Dans le chapitre 13 de Job, Job est dans son raisonnement, en train de répondre à ses amis. Ici, dans le chapitre antérieur 11, à son ami Sophar. Et Job est en train de dire, dans le chapitre 12 que nous avons lu dans l'étude biblique antérieure, comment Job raisonne et comment il reproche à ses amis leur façon d'être juge implacable, en train de le juger et de le condamner. Et lui, il se défend avec de la doctrine. Et ici, il continue. Il est en train de raisonner et il dit, « Voici, mon œil a vu tout cela. » Il dit qu'il voyait en Dieu que Dieu est si puissant et si grand que toutes les choses qu'il fait, il peut les détruire en un seul moment. Que Dieu donne le bien et le mal aussi. La joie, la tristesse, que Dieu est tout puissant, Dieu tout le donne et tout le fait aux êtres, non seulement à l'humanité, mais aussi à tous les êtres, inanimés comme elle la nature physique. Voilà ce que disait Job. Il disait, mon œil a vu tout cela, moi j'ai vu la main de Dieu et le pouvoir de Dieu dans tous les êtres, dans tout l'univers. Dans tout ce que j'ai pu voir et palper, écouter, sentir. Donc Job disait que lui, il était témoin du pouvoir de Dieu. Comme nous, nous disons, nous sommes témoins du pouvoir de Dieu à travers les miracles et les bénédictions que Dieu donne et aussi pour le changement de vie qu'il a fait en nous, par sa transformation, par la manière comment Dieu donne la paix, la joie au cœur des personnes. Donc, nous aussi, nous sommes témoins. Et Job dit, « Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et il y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. » Il dit à ses amis, « Vous le savez. Comme vous, vous dites savoir beaucoup, moi aussi je sais. » Job leur disait cela, « Je ne vous suis point inférieur à vous. Je ne suis point inférieur à vous. Mais je veux parler au Tout-Puissant. » Je veux plaider ma cause devant Dieu, car vous, vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Donc ici, Job est en train de se défendre devant cette façon d'être jugé, critiqué, calomnié par ses amis. Vous pouvez lire le verset 5. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour savoir de la sagesse. Il dit, si vous, vous garderiez silence, vous ne parlerez pas tant
Alors, on dirait que vous serez des hommes sages, mais vous, vous ouvrez votre bouche et vous parlez de trop. Des choses simples, des choses sans sagesse, leur a fait comprendre Job. Verset 6. Écoutez, je vous prie ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Continuez. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? Pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? Continuez. Si vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Il dit, certainement, il vous condamnera, Dieu, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur la boue? Vos sentences sont des sentences de cendre. Ici, il était en train de leur dire que tous qu'ils étaient en train d'argumenter, tous ces raisonnements, Job leur dit que c'est que des refrains de sentences de cendre et que vos retranchements sont des retranchements de boue. Car eux, ils disaient savoir beaucoup. Car eux, ils voulaient enseigner à Job, faire comprendre à Job que lui, c'était quelqu'un d'inférieur, que lui, il ne savait et ne connaissait rien de Dieu. Et que c'était pour cela que lui, il était en train de vivre cette situation à cause de son péché, de son ignorance face au Seigneur. Beaucoup de fois aussi, nous aujourd'hui, nous sommes critiqués par les personnes. Et parfois, les personnes critiquent. Et quand il arrive ou il succède quelque chose de désagréable à un croyant, à un frère ou à une sœur, tous les autres commencent à le critiquer et en train de dire « Ah, vous, vous êtes comme ça parce que vous êtes dans cette église. Ah, vous, vous êtes comme ça parce que vous croyez, parce que vous lisez la Bible, parce que vous voulez changer de religion. C'est pour ça que vous vivez cette situation. » Mais ces personnes qui critiquent, ils ne regardent pas qu'à eux aussi, ils peuvent leur arriver la même chose ou peut-être il leur est déjà arrivé des choses désagréables dans leur vie, que eux aussi, ils ont eu des tribulations, des problèmes, des difficultés, des jours mauvais. Et eux, ils ne voient pas cela, ça ils ne le racontent pas. Seulement, ils sont prêts pour critiquer le Fils de Dieu, pour critiquer le frère ou la sœur qui s'efforce pour chercher Dieu. Et le frère et la sœur, donc cette personne devient très triste. Il ou elle s'attriste. Et elle dit, je me sens triste. Car je suis en train de vivre beaucoup de tribulations. Et mes amitiés, mes familles, tout le monde me critique car je suis dans cette église. Même parfois, ils me font perdre la foi. En train de croire que si cela est certain, s'ils ont raison ou pas. Toutes ces choses, le fait... notre ennemi, pour que nous puissions nous affaiblir, pour que nous puissions perdre cette confiance en Dieu. Tout cela qui est arrivé à Job nous arrive à nous aussi aujourd'hui. Mais continuons à lire les raisonnements de Job, ses arguments, pour voir si nous trouvons si lui, il s'est affaibli ou s'il a perdu cette foi. Je ne pense pas qu'il ait perdu la foi. Jusqu'à présent, il n'a pas perdu la foi. Et nous sommes là dans le verset 13, n'est-ce pas? Il dit, « Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre tes dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. » Là, il se référait à Dieu. « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. » Gloire à Dieu. C'est très beau ce que Job est en train de dire. Malgré que Dieu lui enlève la vie très lentement, car lui, il était en train de souffrir des douleurs, il vivait une agonie perpétuelle. Il dit, même s'il m'enlève la vie, j'attendrai en Dieu. Nous devons aussi dire la même chose. Nous aimons Dieu dans l'abondance, et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, dans la vie, dans la mort, dans les choses bonnes ou mauvaises, dans la joie, dans la tristesse. Nous aimons notre Dieu
et nous continuons vers l'avant dans le chemin de Dieu et nous honorons le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Il dit, en lui, j'espérerai, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Il dit, moi, je vais défendre mon chemin, ma conduite devant Dieu. Car Job se connaissait. Job savait que lui, il avait fait des choses droites, des choses justes devant Dieu, tous les jours de sa vie. Et c'est pour cela qu'il dit, moi, je vais me défendre. Je vais me défendre de vous, mes amis implacables, ceux qui sont en train de me critiquer, de me lancer des calomnies, ceux qui m'injurent, mais moi je vais me défendre. Car moi je sais qui je suis, comment j'ai vécu et Dieu connaît ma vie. Tout cela le disait Job. Et c'est très beau que nous aussi aujourd'hui nous puissions apprendre à vivre cette vie droite, cette vie sainte devant Dieu. Pour qu'un jour, lui, nous aussi, un jour, nous pourrons dire, je vais me défendre dans mon chemin que j'ai vécu avec Dieu, car moi, je considère que j'ai vécu une vie droite, agréable devant Dieu. Et que nous aussi, nous puissions dire la même chose. Nous voulons nous défendre, car nous sommes justes, nous sommes droits. C'est cela. Et que Dieu se sente fier de nous. Ça, c'est très beau. Car Dieu s'est senti très fier de Job. Et ici, dans le verset 16, vous pouvez le lire. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles. Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais et je veux mourir. Seulement accorde-moi deux choses et je me cacherai pas loin de ta face. Donc là, Job est en train de faire une pétition au Seigneur et il lui dit de ne pas lui cacher deux choses. Il lui dit qu'il lui accorde au moins deux choses. Retire ta main au-dessus de moi. Et que tes terreurs ne me troublent plus. Continuez. Puis appelle et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Donc il lui fait des pétitions et il lui demande, il le supplie qu'il va invoquer le nom du Seigneur et que le Seigneur lui réponde. Que Dieu ne se cache pas de Job, de sa clameur, de sa pétition ou de sa prière. Qu'il ne se cache pas, mais que Dieu soit là, attentif, pour lui donner une réponse. Voilà ce que Job espérait de Dieu. Il avait cette espérance que Dieu allait lui répondre. Après, une fois qu'il ait parlé, une fois qu'il ait raisonné, qu'il s'est défendu et qu'il ait argumenté, donc il attendait la réponse divine, car il disait, « Moi, je fus un homme juste, moi j'ai fait des choses bonnes devant Dieu. » Moi, je me rappelle pas avoir fait quelque chose de mauvais. Ça, c'était son raisonnement. Donc, continuons avec le verset 23. Continuez à lire. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Et lui demande au Seigneur. Fais-moi connaître mes péchés, car moi, je m'en souviens plus. Je me suis pas rendu compte si j'ai péché, si j'ai offensé, mais toi, dis-le-moi. Et dans le verset 24, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ?» Donc Job demande au Seigneur, « Est-ce que tu es en train de me voir comme si j'étais ton ennemi ? Ne cache pas ta face, réponds-moi, parle-moi. » Car le Seigneur avait cessé de donner des révélations à Job. Les patriarches, dans l'époque d'avant, comme eux, ils étaient prophètes, eux, ils étaient des gouverneurs de leur peuple, de leur tribu. Dieu leur parlait à travers des rêves, à travers des visions et des révélations. C'était la manière comment Dieu leur parlait à ses patriarches. Et Job, durant tout ce temps qu'il était dans sa tribulation, dans sa maladie, il n'a pas eu de révélation de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit que Dieu s'est éloigné et que Dieu était sûrement fâché et s'était converti en son ennemi. Job était devenu l'ennemi de Dieu et que c'est pour cela
que Dieu ne lui parlait plus, ne lui répondait plus. Et Dieu a testé Job de cette façon en laissant un temps sans lui donner de révélations. Mais c'est pour ça que maintenant Job est en train de lui réclamer « Réponds-moi, parle-moi ». Continuons dans la lecture où il dit dans le verset 25 « Veux-tu frapper une feuille agitée ? Veux-tu poursuivre une paille desséchée ?» Lui, il se compare, Job se compare à une feuille agitée ou à une paille desséchée. Il dit « Moi, je suis ainsi, et toi ?» Tu t'inquiètes tant pour une feuille qui tombe d'un arbre? Job est en train de dire cela à Dieu. Et nous, parfois, lorsque nous prions pour sensibiliser le cœur de Dieu, apprenons et nous disons au Seigneur, « Seigneur, mais qui suis-je? Qui suis-je dans l'univers? » Même en utilisant tous les appareils qu'utilisent les astronautes pour voir les étoiles ou les planètes, même en mettant tout cela, nous, on peut être notoire dans l'univers. On ne peut pas dire que nous sommes un point, car nous sommes 1000 fois plus petits qu'un point. Et de cette façon, nous disons au Seigneur, « Qui suis-je, Seigneur, pour que tu puisses me voir? Qui suis-je? Pour que tu puisses m'écouter? Pour que tu puisses me faire des promesses? Qui suis-je pour être là, devant ta présence? Et toi, en train de me faire des promesses merveilleuses et en train de me donner des ordres et en train de me dire que je continue vers l'avant, que je vais te servir ?» Tu vas me donner les choses spirituelles. Qui suis-je, Seigneur? Ça, c'est notre prière. Quand nous le faisons avec notre cœur, nous sensibilisons le cœur de Dieu. Et lui, il est là, attentif. Attentif, en train de voir notre prière, nos paroles. Et c'est pour cela que Job disait, « Moi, je suis une feuille sèche qui est tombée de l'arbre. Je suis une paille. » Verset 26, il dit, pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Job est en train de dire, est-ce que tu t'es rappelé de mes fautes de mes jeunesses et c'est pour cela que tu es en train de me punir? Et nous aussi, lorsque nous sommes en train de prier le Seigneur et qu'on veut que Dieu nous parle, nous réponde, que Dieu soit si proche, nous disons aussi, Seigneur, sûrement je suis en train de payer tout ce que j'ai fait durant ma jeunesse, lorsque je ne te connaissais pas, ma famille, les miens, peut-être ils ont fait tellement de choses mauvaises devant toi et c'est pour cela que moi je suis ici en train de vivre cette situation. Et si nous disons cela à notre Dieu avec tout notre cœur, alors Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Continuons avec le verset 27. Continuez. Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes? Surveiller tous mes mouvements? Tracer une limite à mes pas? Quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement qui dévore ta teigne. Donc ici, ce chapitre se termine. Mais, dans le chapitre 14, continue le discours de Job. Continue son argument. Son raisonnement continue de Job en train d'essayer de sensibiliser le cœur de Dieu. Et nous, nous voyons ici à la fin, nous voyons à la fin de cette histoire merveilleuse que Dieu a été sensibilisé. Il a sensibilisé Dieu. C'est pour cela que nous, cela nous sert d'exemple, cela nous sert de modèle pour notre vie personnelle, pour nos prières, pour nos pétitions, pour le jour où nous soyons en train de vivre une tribulation, des tristesses, tout cela nous sert d'exemple pour que nous aussi nous puissions le mettre en pratique et que nous puissions parler de cette manière au Seigneur. Après avoir vécu une vie agréable devant Dieu. Donc, nous demandons toujours au Seigneur qu'il nous aide à vivre cette vie sainte qu'il veut que nous vivions pour que de cette façon nous puissions être écoutés par lui, que Dieu nous écoute. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse à vous tous.
Que Dieu écoute vos prières et vos pétitions. À tous ceux qui nous voient à travers la vidéo aussi. Que Dieu vous bénisse énormément. Donc maintenant, nous allons commencer nos questions. Nos questions ce soir. Ma sœur Maralusa, nous vous saluons de l'église de Bruxelles, de Belgique. Ma sœur, j'ai une question sur la perfection. Car c'est un doute. Car parfois, lorsque nous cherchons la perfection, nous avons tendance à critiquer. Nous nous analysons, nous méditons énormément. Par exemple, dans mon cas personnel, Dieu m'a donné un très bon travail dans lequel je dois réaliser des événements avec des personnes du monde entier. Et dans certains pays, par exemple, on réalise des événements très bien faits car ils ont beaucoup d'expérience. Mais dans d'autres pays, ils ont moins d'expérience. Alors, nous avons tendance à critiquer. Donc, je voudrais que vous... Mais quelle perfection vous êtes en train de parler? De quelle perfection vous êtes en train de parler? Plusieurs genres de perfection. Il y a la perfection parce que nous sommes des témoins. Nous ne voulons pas donner un mauvais témoignage en critiquant. En critiquant ni dans le monde entier, ni dans l'église aussi. Donc ça, c'est mon doute. Si on n'a pas tendance à critiquer lorsque nous cherchons la perfection. Si vous pouvez... Bon, la sœur parle de la perfection. Bon, disons, elle a dit qu'il y avait deux perfections, oui. Quand le Seigneur ici, il dit qu'il va lever une église sans tache et sans ride, une église parfaite, parfaite dans tous les sens du mot. La perfection spirituelle, la perfection que mène à la vie éternelle. Nous n'allons pas parler de la perfection du monde, car les personnes dans le monde, chacune d'elles connaissent leur métier, chacun a un travail, a une profession. Chaque personne a une capacité pour travailler. Et certains, par exemple, dans les entreprises du pain, certains fabriquent le pain mieux que d'autres. Ou l'entreprise des pâtes ou des chocolats. Chacun sait faire peut-être une préparation meilleure qu'une autre personne. Donc ça, sûrement, on va appeler une perfection. Celui-là fait toutes les choses bien. Dans cette entreprise, on fait les meilleurs pains, les meilleurs chocolats. Bien, on va pas parler de cela. On va parler de la perfection de notre vie spirituelle. Comment vous êtes capable d'avoir des valeurs, des vertus, des qualités? Et comment vous êtes capable de faire les choses bien, d'être juste, d'être droit? En faisant toutes les choses bien avec sagesse, avec intelligence, avec de la conscience, avec de la connaissance, avec de la prudence. Comment vous êtes capable de mettre à travailler l'honnêteté, la sainteté, l'intégrité, l'humilité, la simpleté et de gérer la doctrine du Seigneur. Toutes ces choses le fait une seule personne que nous pouvons dire qu'elle est en train de chercher la perfection où elle est arrivée à un degré de perfection. Car toutes les choses, elle le fait bien. Car cette personne est prudente. Car elle ne blesse personne. Elle n'offense personne. Car elle n'a pas d'envie contre personne. Car il n'y a pas de rancune dans son cœur. Car elle ne fait pas du mal aux autres. Car elle n'est pas ambitieuse. Car elle ne trompe pas, elle ne ment pas. Ça, c'est de la perfection. Ça, c'est la perfection. En plus, elle connaît beaucoup de doctrines. Car elle a lu beaucoup la Bible, elle a entendu, elle a compris beaucoup de connaissances, elle a beaucoup de doctrines. Et Dieu, comme c'est une personne droite et juste devant lui, alors Dieu est en train d'enseigner aussi. Il est en train de la capacité dans la connaissance de sa parole. Et là, on voit une personne parfaite. Voilà ce que nous appelons être parfait. Et qui sait gérer les tentations, les tromperies de l'ennemi, les difficultés. Elle sait gérer tout cela avec de la sagesse. Elle ne revient pas en arrière. Elle ne se démotive pas. Elle ne s'irrite pas. Elle ne se met pas en colère.
ni elle se déceptionne pas du chemin de Dieu. Mais au contraire, elle continue vers l'avant. Elle continue vers l'avant, comme disait ici l'apôtre, vers l'avant dans le chemin de la perfection. Et ne pas rester là, en train de stagner, au contraire, progresser chaque jour qui passe. Ça, c'est la perfection. Ça, c'est ce que nous, nous sommes ici en train de chercher. Et c'est pour cela que nous aussi, nous apprenons dans les études bibliques, car nous sommes en train de lire la Bible. Et ici, la Bible, nous trouvons tous les pas qui nous mènent à être parfaits. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, nous répétons la même chose et nous répétons encore. Et nous parlons de la même chose. Que la sainteté, que faire le bien, être juste, faire les choses droites, être prudent et sage, être humble et simple, pas de rancœur, pas de colère. Toujours nous disons la même chose pour que nous n'oublions pas cela, pour que toujours nous l'ayons présent dans notre être et qu'à chaque fois nous essayons de plaire à Dieu dans tous ces sujets. Ça, c'est la perfection. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de chercher ici. Être parfait. Mais si quelqu'un vient nous dire, il vient faire quelque chose de bien et ensuite il critique, alors cette personne n'est pas parfaite. C'est cela. Donc la perfection doit être dans notre vie spirituelle. Elle doit avoir un rapport avec la simpleté et l'humilité, la patience, la tolérance. Tolérer les personnes, respecter les personnes, avoir une bonne éducation. Tout cela, ce sont les pas de la perfection. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Que Dieu permette que nous puissions arriver là-bas, à ce but. Que nous ne restons pas là à la moitié du chemin, mais que nous continuions jusqu'à là-bas. Amen. Voilà ce que nous demandons tous les jours à notre Dieu, qu'il nous aide à arriver au bout, à accomplir tous ces objectifs que nous nous sommes proposés dans notre vie pour être avec Dieu dans l'éternité. Continuons vers l'avant. Avec une autre question, oui mon frère. Geliefde zuster Marie-Louisa, een hele fijne avond en welkom hier in Nederland. Ma sœur Marie-Louisa, une très bonne soirée pour vous. Bienvenue ici en Hollande et que Dieu vous bénisse. U verblijdt ons heel erg met uw bezoek hier in Nederland. Nous sommes très joyeux grâce à votre visite ici en Hollande. Het was een belofte van de Heer dat ik voor zijn geliefde dienares zou staan en haar een vraag mocht stellen. C'est une promesse du Seigneur. Il disait que j'allais être face à sa servante et aujourd'hui je vois la promesse de Dieu accomplie. Beste zuster Marie-Louisa, als u mij toestaat, zou ik deze vraag met alle respect en liefde die u verdient, u willen stellen. Ma sœur Marie-Louisa, si vous me le permettez, je veux vous poser une question avec beaucoup de respect, avec beaucoup de révérence, si vous me le permettez, ma sœur. Zuster, ik weet dat onze vijand heel erg sluw is. Ma sœur Marie-Louisa, nous savons que l'ennemi est très astucieux. En ik vraag mij af hoe het kan als iemand die al jaren bij ons in de kerk is. Et moi je me demande comment est-ce possible lorsqu'une personne a tant de temps dans l'église die gedoopt is met de Heilige Geest en zelfs de gave van profetie bezit. Que aussi elle peut avoir le baptême avec le Saint-Esprit en plus des dons spirituels. En waarvan hij jaren voor de Heer heeft gewerkt op deze manier. Et que de cette façon, même avec les dons que le Seigneur lui a donné, elle a travaillé dans l'église durant beaucoup d'années. Hoe kan het, zuster, dat deze persoon uiteindelijk toch nog besluit om de kerk te verlaten? En hoe kunnen we dit voorkomen? Dank u wel. Ma sœur Marie-Louisa, comment est-ce possible que cette personne, de tant d'années en train de servir le Seigneur, part de l'Église, comment cela puisse être possible et comment nous pouvons éviter cela pour que cela ne nous arrive pas dans notre vie spirituelle. Merci beaucoup, ma sœur. Le Seigneur, lorsqu'il enseignait à ses apôtres, il leur disait « Beaucoup sont appelés et peu sont élus. » Et aussi les apôtres, à travers les révélations du Saint-Esprit, ils ont été là, en train d'enseigner, ils insistaient beaucoup par rapport à la présence et la fidélité de la personne dans la congrégation. La fidélité dans le chemin de Dieu. Et nous,
Ne regardons pas vers les côtés ni en arrière, beaucoup moins. Mais au contraire, continuons vers l'avant. Car si on commence à regarder sur les côtés les personnes, nous restons là, nous perdons notre temps et sûrement on va se contaminer. Chacun d'entre nous, continuons vers l'avant, en train de confier en Dieu, de croire en lui, en train de chercher la vie éternelle, le salut, en train d'apprécier et de valoriser ce que Dieu a établi en face de nous. C'est un salut si grand. À part des bénédictions spirituelles et des choses matérielles qui puissent nous donner dans notre vie. Valorisons cela et continuons. Car le Seigneur Jésus, il a enseigné que dans l'église ou dans la congrégation allaient venir beaucoup de personnes. Mais à tous, on ne va pas leur dire église. Et que beaucoup allaient venir et en train de participer des dons spirituels. Et le Seigneur a donné l'exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, quand le Seigneur a dit « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et le Seigneur leur dit « Et moi, je vous répondrai la chose suivante. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. » Et cela sûrement arrivera à certaines de ces personnes que le frère mentionne. Peut-être il a vu certaines personnes qui ont un certain temps dans l'église, qui ont déjà les dons spirituels et que ces personnes sont parties et ne sont plus revenues. Sûrement, ces personnes, il va lui arriver ces choses-là, ce que le Seigneur Jésus a dit. En ton nom, nous avons prophétisé. En ton nom, j'ai fait beaucoup de choses. Mais tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Les commandements de Dieu est continuer jusqu'à la fin. Car il dit qu'il faut être fidèle jusqu'à la mort. Ça, dit le Seigneur, c'est l'enseignement du Seigneur. Être fidèle jusqu'à sa mort. Pour qu'il puisse nous donner quoi? La couronne de vie. Donc, c'est triste que les personnes restent à la moitié du chemin ou au commencement du chemin. Prions et demandons à Dieu pour que nous, jamais il va nous arriver ces choses-là. Que jamais vous allez vous fatiguer d'aimer Dieu. Ne vous fatiguez jamais d'assister à l'église, de lire la Bible, de prier. Ne vous fatiguez pas. Ne vous affaiblissez pas, jamais. Le monde ne va pas vous offrir la meilleure chose. Au contraire, le monde ne va rien vous offrir. C'est Dieu qui donne tout. Et vous, soyez courageux. Efforcez-vous. Soyez intelligents. Les intelligents arrivent au but. Soyez intelligents. Si vous ne l'êtes pas, demandez à Dieu qui vous aide à être intelligent pour arriver à ce but. Une autre question? Ma sœur Mara Luisa, bienvenue à Rotterdam. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous poser une question basée dans mon témoignage qui est très court, dans lequel, lorsque je suis arrivée à l'église, je priais le Seigneur sur ma situation car je passais des épreuves, des tribulations et le Seigneur en prophétie me disait qu'il fallait que j'attende car lui, à son dernier moment, il allait se manifester et c'est comme ça, comme j'ai vu sa parole accomplie. Moi, je voyais dans la Bible, dans Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Romains 5, 3 et 4. Oui, du verset 3 au 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire dans l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ma sœur, cette promesse que l'apôtre Paul nous donne ici nous enrichit et nous remplit de beaucoup d'allégresse, car malgré que nous ayons parfois des tribulations, nous avons toujours cette foi et cette promesse que le Seigneur
va nous sortir vers l'avant. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous amplifier sur cela pour que nous puissions nous enrichir dans notre vie spirituelle et de ce fait pouvoir être témoignage dans le monde entier et pouvoir accomplir sa parole. Les preuves et les tribulations, il faut les supporter. Qu'avons-nous lu de Job? Quel fut l'exemple de Job? Qu'est-ce qu'a vécu Job? Des épreuves et des tribulations, des difficultés, des jours mauvais, des ruines, des maladies. Chose qu'a vécu Job, et lui, il a continué à aimer Dieu. Nous aussi, nous devons continuer à aimer Dieu au milieu des tribulations, des difficultés, des jours mauvais, des maladies, ou des pauvretés, ou des critiques, ou des injures, ou calomnies. Peu importe ce qui arrive, nous devons être pareils. Aimer Dieu par-dessus toutes les choses, par-dessus toutes les circonstances de la vie. Aimer Dieu. C'est cela qu'il nous a dit. Aimer Dieu par-dessus tout. Il dit même par-dessus nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et de cette façon, lorsque nous aimons Dieu, alors Dieu va nous aider à pouvoir supporter les tribulations. Dieu nous aidera à supporter les épreuves. Il nous aide et tout terminera et tout finira et viendra ensuite la paix, la bénédiction, la liberté, l'abondance, tout viendra. Donc, simplement, c'est aimer Dieu et continuer. Continuer et ne pas se stagner dans notre vie, là, au milieu de la tribulation ou du problème. Mais juste être confiant en le Seigneur. C'est juste ça ce qu'il faut faire, mes frères. Bien, continuons, oui. Ma sœur Maraluisa, bonsoir. Recevez un très grand bonjour de l'église de Bruxelles, de Belgique, ma sœur. Merci beaucoup pour ce que vous vous dédiez envers nous. Et je veux vous poser une question dans le deuxième livre de Pierre, 2-4. Deuxième livre de Pierre, chapitre 2, 4. Oui. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, il dit que Dieu n'a pas pardonné aux anges qui ont péché, oui. Des ténèbres et les réserve des jugements. Ma question est, ma sœur, ici il dit, si tout esprit meurt dans le péché, ces afflictions qui arriveront, car dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, verset 19, il parle des esprits qui sont prisonniers. Oui, donc il dit, dans le verset 4 du deuxième livre de Pierre, chapitre 2, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il est en train de faire référence au diable et à toute son armée. » Le diable et toute son armée se sont convertis en des démons. Le diable et les démons. Car eux, ils étaient des anges, mais une fois qu'ils se sont rebellés contre Dieu, alors ils sont devenus des démons, en des mauvais esprits. Voilà ici ce qu'est en train de dire le verset 4, que Dieu n'a pas pardonné ces anges qui ont péché, mais au contraire, qu'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. Ça veut dire... Il se réfère à tous les mauvais esprits, aux démons, au diable principalement. Et ici, dans le verset 16, qu'a dit notre frère? Dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, verset 19. Il dit, « Dans lesquels aussi il est allé ?» Le Seigneur Jésus dit qu'il a prêché. Dans le verset 19, il dit que Jésus a prêché aux esprits en prison. Il ne parlait plus des anges, des démons, il parlait des personnes, des gens qui ont vécu avant le déluge. Après Adam, jusqu'au déluge, des milliers et des milliers de personnes ont existé et il parlait ici d'eux dans le verset 19 lorsqu'il dit que le Seigneur Jésus, dans les trois jours lorsqu'il est mort, pendant ces trois jours, il est parti prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ces personnes qui n'ont pas voulu croire en la prédication de Noé et qui ne se sont pas repenties. Donc Dieu ne les a pas pardonnés et ces gens sont morts lors du déluge. Il est en train de dire ici que Dieu les a châtiés. Mais le Seigneur Jésus-Christ est parti prêcher l'évangile
à ces esprits, à ces personnes qui étaient morts. Ce sont des choses très différentes, mon frère, pour que vous n'allez pas vous confondre. De l'autre côté, il parle du diable, des démons, car eux, ils existent même encore au jour d'aujourd'hui et ils continueront à exister. Mais quand le Seigneur Jésus est parti prêcher aux esprits, c'était aux personnes qui étaient mortes avant le déluge. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Maraluza, merci beaucoup pour votre présence. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être là en train de profiter de votre présence, de cette grande bénédiction. J'ai une question dans Genèse 9, du verset 22 au 25. Genèse combien? Genèse 9, du verset 20 au 25. Oui, ma sœur. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il lui apporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ma sœur Maraluza, j'ai une inquiétude. Car dans notre culture, nous devons garder nos anciens, nos familles, nos pères. Lorsque, par exemple, nous avons un grand-père qui est malade, nous faisons attention à lui comme si c'était un enfant. Cette attention comme si c'était un petit enfant, 24 heures sur 24. Et cela demande toute notre attention. Et pourquoi était si énervé Noé avec son fils, ou à quel genre de nudité il se référait? C'était une nudité spirituelle ou une nudité physique? C'était une nudité physique. Car lui, comme il s'est enivré, il dit que Noé s'est enivré et en s'enivrant, il n'a pas su ce qu'il faisait. Il a enlevé son manteau. Il est resté là endormi. Donc il dit que son fils l'a vu et comme Dieu leur avait déjà enseigné, Dieu a mis des charges à l'homme. Depuis que Dieu a créé Adam, comme Dieu savait que l'homme, avec sa tendance à être désobéissant, à être dur de cœur, c'est pour cela que Dieu a aussi préparé des lois, beaucoup d'ordonnances, pour mettre ses charges à l'homme, pour que l'homme puisse être plus coupable et que Dieu ait des motifs pour le châtier. C'est pour cela que Dieu, depuis Adam, il a commencé à enseigner sa parole, ses commandements, sa loi. Il lui a enseigné depuis Adam dans son cœur, dans sa conscience. Il lui a enseigné ses lois. Eux, ils connaissaient déjà toutes les lois. Tout ce que nous savons depuis la loi de Moïse, tout ce que nous savons que Dieu nous a enseigné, tout cela, Dieu l'a enseigné depuis Adam, dans la conscience des hommes jusqu'à Noé. Et c'est pour cela que les enfants de Noé étaient conscients de cette doctrine. Car eux, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas voir la nudité de leurs parents, mais au contraire qu'il fallait respecter. Dieu a mis ses lois, il a établi ses charges, et c'est pour cela qu'au moment où il s'enivre, alors lui, il enlève ses vêtements, il ne se rend pas compte à cause de l'enivrement. Par ce fait, son fils commet ce péché de le voir. Lui, réellement, son fils, si on se rend compte, ce n'était pas sa faute, car lui, il est arrivé, il ne savait pas, et il l'a vu. Mais il a eu quand même cette faute, donc Dieu lui a fait payer. Donc Dieu lui a fait payer à cause de la dureté, de la rébellion des êtres humains. Et cela parce que Dieu connaissait les sottises de ces personnes, c'est pour cela qu'il lui a établi, il a permis qu'il tombe dans ce piège. Que le fils est tombé dans ce piège et a vu la nudité physique et comme la loi s'était interdite, donc, il n'a pas pu se justifier et dire « Mais Seigneur, moi je n'ai pas été coupable, c'est pas ma faute si moi je suis parti là-bas et je ne savais pas qu'il était là-bas. Je ne savais pas qu'il était ivre, je ne savais pas qu'il avait enlevé ses vêtements. » Lui, il n'a pas pu se justifier. Même s'il serait justifié, Dieu ne lui accepterait pas cette justification. Il lui a dit « Non, tu as commis l'infraction, donc tu es puni. » Et aujourd'hui aussi, les personnes dans quelque chose de très simple, dans la transaction, même en conduisant un véhicule, par exemple, vous commettez une infraction sur l'autoroute,
Alors vous allez vous justifier devant le policier. Lui ne va pas accepter aucune de vos justifications. Même si vous n'avez pas été coupable, même si la voiture vous manquait des freins ou vous avez, c'était pas votre faute, mais vous avez commis cette faute, alors vous pouvez justifier tout ce que vous voulez. Le policier ne va pas vous croire. Il va dire non. Vous êtes puni et vous devez payer cette amende. Voilà. C'est ce qui succède aussi aujourd'hui. Dieu était très strict. Dieu était très strict avec l'homme. Dieu a toujours été strict aussi. Et lui, il ne veut pas que nous nous justifions, mais que nous puissions reconnaître les choses que nous faisons. Et ça, c'est ce qui est arrivé avec le fils de Noé. C'est donc pour cela qu'il a été châtié. Car il l'a vu, et la loi et le commandement, c'était interdit. C'était un péché que les enfants puissent voir la nudité de leurs parents. Voilà ce qui est arrivé. Aujourd'hui, c'est peut-être d'autres coutumes, d'autres cultures. Aujourd'hui, il y a des lieux où tout le monde marche nu sur les plages, dans les piscines, dans les lieux publics. Les personnes vivent dans la nudité et personne ne se préoccupe pour cela. Dieu sait qu'est-ce qu'il fera avec chaque personne. Mais pour Dieu, aujourd'hui, le plus important, c'est que les personnes puissent connaître Dieu. Qu'ils puissent connaître tout d'abord Dieu et ensuite connaître les commandements et tout ce qu'il leur donne. Amen. C'est cela. Bien, continuons. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous poser une question, ma sœur, être très bref. Je prends juste comme exemple, dans Lévitique 16, dans le verset 4. Oui, ma sœur, ici le Seigneur donne un ordre au sacrificateur. Il lui disait qu'avant de se vêtir de la tunique sacrée, il devait s'être lavé son corps dans l'eau. Je voudrais, ma sœur, plus qu'une question, que vous puissiez nous enseigner aujourd'hui comment nous, ou plutôt, qu'est-ce que le lessivage de nos vêtements spirituels, et que ce n'est pas seulement un jour, mais tous les jours, que nous ne soyons pas plutôt comme ce que pratiquaient les Juifs, le lessivage des pieds, qui était quelque chose de physique, que vous puissiez nous enseigner. Car se laver, je comprends que nous devons cesser de pécher, chaque jour évoluer, que vous puissiez nous amplifier plus et pas laver ce qui nous convient, mais faire valoir tous les commandements. Nous, dans l'évangile de Jésus-Christ, nous avons appris que être pur, c'est de la partie spirituelle. Être pur, le Seigneur Jésus-Christ disait aux apôtres, vous, vous êtes purs, vous êtes lavés avec la parole que je vous ai enseignée, avec la doctrine que je vous ai donnée, vous êtes purs. Vous n'avez plus besoin de vous laver. Et aussi, dans Isaïe, quand nous lisons le livre d'Isaïe, nous trouvons que Dieu parle, que tous les êtres devaient être purifiés ou lavés en eau. C'est-à-dire avec l'eau d'une source qui est, où il allait sortir de l'eau pour la vie éternelle. Et cette source, c'est Jésus-Christ. Cette eau, c'est Jésus-Christ et sa parole, son évangile. La parole de Dieu est celle qui purifie et qui lave l'âme de la personne, le cœur d'une personne, la conscience d'une personne. Elle est purifiée avec cette eau. Avec cette parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole du Saint-Esprit de Dieu, la révélation de Dieu, la manifestation et la manière dans laquelle Dieu agit dans chaque personne, ça, c'est cette eau. Ça, c'est le lessivage qu'une personne reçoit, la purification de l'âme et du corps. Donc aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur Jésus, ce n'est pas la partie physique. Si vous vous lavez votre corps tous les jours, ou vous lavez votre corps tous les 3 jours, ou une fois par semaine, ou vous vivez dans un lieu où peut-être vous ne pouvez même pas vous laver durant un mois. Cela n'a rien à voir avec le cœur, avec l'âme, avec l'être, avec la conscience. Que nous devons être lavés avec la parole du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons être purs avec la parole du Saint-Esprit de Dieu.
avec Dieu en train de se manifester en nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler? L'Esprit Saint ou Dieu en train de se manifester en nous, comment? Avec des révélations, des songes, des visions, des prophéties, avec ce changement de vie que Dieu fait dans notre cœur. Lorsque Dieu vient habiter en nous, ça, c'est la source de l'eau de la vie éternelle que Dieu nous a offert. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui en train de profiter et que nous n'allons pas mépriser cette source. Mais au contraire, que nous allons la valoriser, l'apprécier, ce que Dieu a mis dans notre vie aujourd'hui. Continuons vers l'avant. Bonsoir ma sœur Maralusa, c'est un honneur pour moi d'être face à vous et de vous donner la bienvenue à vous et ceux qui vous accompagnent. Ma question est, si vous me le permettez, nous voyons chaque jour qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent à l'église. Quels conseils pourriez-vous nous donner de comment expliquer ou enseigner aux personnes nouvelles qui ne mènent pas beaucoup de temps dans l'église? Car parfois, c'est difficile qu'ils comprennent qu'est-ce qu'une louange. Car d'une manière passive, sans voix ou sans applaudissement, elles peuvent aussi recevoir peut-être le Saint-Esprit. Ma sœur, si je me trompe, dites-le-moi. Disons qu'il y a des personnes qui disent que pour recevoir le Saint-Esprit, il n'est pas nécessaire d'ouvrir la bouche ou de prier ou juste comme ça en train de penser qu'elles vont recevoir le Saint-Esprit. Sûrement, si Dieu veut donner le Saint-Esprit à une personne qui pense de cette façon, que pour prier, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, mais juste prier comme ça avec la pensée. Je pense que si le Saint-Esprit descend à cette personne qui n'a pas encore ouvert la bouche, qui ne prie pas avec la bouche ouverte, qui n'aime pas chanter, mais tout le fait à travers ses pensées, et si le Saint-Esprit vient, le prend, elle va faire crier cette personne. Elle va faire crier cette personne, car ça, c'est la manifestation de l'Esprit. De Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu lorsqu'elle vient habiter en nous, la sensation qu'on sent, c'est qu'on voudrait sauter, courir, crier, c'est cela. Ça, c'est la manifestation. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, elles bougent beaucoup, elles sautent, elles bougent, elles font sauter même les bancs, d'autres sautent, d'autres crient à voix haute. Car ça, c'est la manifestation. Car venir une portion si petite du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie, notre corps ne le résiste pas. C'est pour cela que cette manifestation vient comme ça et la personne commence à crier, à prier, à chanter avec allégresse, avec beaucoup de jouissement. Ça, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alors, comment serait ici ce jour de Pentecôte qu'il dit, quand le Saint-Esprit est venu, on aurait dit qu'il y a eu comme un tremblement de terre, qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux, que toutes les maisons tremblaient comme s'il y avait un tremblement de terre, car ça c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir du Saint-Esprit vient et on dit que tous ont commencé à parler en langue, à prophétiser, ils ont commencé à crier et c'est pour cela que toutes les personnes ont commencé à critiquer en disant qu'ils étaient ivres. Ivres? Car ça c'est la manifestation. C'est pour cela que nous, lorsque nous allons au culte de louange, lorsque nous sommes dans la louange, nous parlons à haute voix, nous prions le Seigneur, nous louons le Seigneur avec des paroles très jolies, car lorsque viendra le Saint-Esprit, nous sommes déjà prêts, car si vous êtes là avec la bouche fermée, alors vous n'allez pas donner la liberté au Saint-Esprit. Il faut donner la liberté en train de prier, chanter, c'est cela. Donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre, car dans d'autres dénominations, car eux, ils disent, mais dans ma dénomination, dans l'église où j'ai été, c'est pas comme ça. Là-bas, le seul qui prie, qui loue, c'est le pasteur. Personne n'ouvre la bouche. Et nous disons, oui, c'est très bien. Là-bas, personne n'ouvre la bouche, personne prie, mais le Saint-Esprit se manifeste. Non, pas du tout, il ne se manifeste pas. Et c'est pour cela, car s'il se manifesterait le Saint-Esprit, alors tous crieraient, sauteraient, ils feront de tout, ils danseraient, car ça c'est la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu fait que nous bougeons, qu'on reste pas tranquille. Voilà ce qu'il faut enseigner aux personnes. Qu'ils ne critiquent pas, qu'ils cherchent, s'ils veulent avoir Dieu en eux, vaut mieux pas qu'ils critiquent, mais au contraire qu'ils prient. Ils verront qu'un jour, ils vont recevoir cette expérience, ils vont sentir cela et donc ils vont comprendre mieux tout cela. Continuons. Oui, ma sœur.
Bonsoir ma sœur, bienvenue ici à Hollande. Les frères et sœurs, nous vous passons le bonjour, nous vous attendons très bientôt. La question est, quand nous avons déjà des expériences des langues spirituelles et de l'interprétation de langues ou de dire que nous, lorsque nous parlons en langue, vous parlez déjà en langue? Oui ma sœur, mais ma question est, cette personne de l'interprétation de langue, la personne qui est à côté de moi qui peut interpréter ce que je parle en langue, ce don que le Seigneur lui a donné et à beaucoup de frères et sœurs. Comment? Car on peut dire que c'est un don qui n'est pas visible, car si la personne ne le dit pas, personne ne va savoir que ce don existe. Ou du moins, ce qui se passe, c'est que sont très peu ceux qui ont reçu ce don. Ils ne sont pas beaucoup. Sont qui ont reçu le don d'interprétation de langue. Et comme d'interprétation n'est pas là présent, alors les personnes parlent en langue lorsqu'elles sont dans les cultes de louange. Car généralement, les langues, c'est les jours de louange en train de prier le Seigneur. Donc c'est là où vient le Saint-Esprit se manifester et les personnes commencent à parler en langue. Et l'autre est en train de parler en langue et personne ne comprend. Car Dieu n'a pas donné le don d'interpréter. Donc, de toute façon, on donne la liberté, on parle en langue, pas à voix si haute pour ne pas interrompre les autres, mais juste à voix basse. Et après les langues, parfois, vient la prophétie. Mais l'interprétation de langue, c'est un don que Dieu a donné aux personnes, mais ce n'a pas été très visible, disons pas très commun, c'est plus commun le don de la prophétie que le don d'interprétation de langue. C'est pour cela qu'il est dit que le don de la prophétie est plus importante car elle sert pour édifier, c'est-à-dire pour prophétiser aux personnes. Alors que les autres dons sont aussi importants, mais ils édifient plus la vie spirituelle par le don de la prophétie. Donc le don d'interprétation de langue, c'est aussi un don. Je connais des personnes à qui Dieu leur a donné cela, mais ils sont très peu. Donc que faire? Demander à Dieu. Demandez à Dieu les dons spirituels. Ainsi disait l'apôtre Paul, il disait « Demandez les dons spirituels. » Mais aussi « Vivez une vie sainte, une vie droite devant Dieu. » Voilà ce qu'il disait, l'amour. Vivre une vie sainte, droite, c'est vivre l'amour. Car il disait que l'amour était plus important. Car si une personne avait tous les dons, mais n'avait pas d'amour, n'avait pas cette vie sainte et droite devant Dieu, alors de rien lui servait les dons. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Marluisa, bienvenue à vous, à votre époux, ici en Hollande. Nous vivons ici dans l'église et dans la Bible, dans l'Antiquité, eux ils avaient ces grands prophètes. Et devant nous, aujourd'hui, nous avons la prophétisseuse du Tout-Puissant et je voudrais vous poser une question basée dans l'évangile de Jean. Dans Jean, quel chapitre? 8. Chapitre 8, verset 56. Donc, Évangile de Jean, chapitre 8, 56. Le Seigneur Jésus parlait aux Juifs et il leur disait « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Ma question est, ce jour-là, ce fut le jour où il donna la dîme au roi Melchisédek, lorsque Abraham se jouit lorsqu'il vit le Seigneur Jésus. Oui, ça, nous le trouvons dans Genèse. Lorsqu'il dit que Abraham s'est joui de voir le jour le Seigneur Jésus, il l'a vu. Et il dit dans Genèse que Abraham est parti vainqueur d'une nation. Il dit qu'il s'est retrouvé avec des rois. Un roi appelé Melchisédek dit le roi de Salem et que Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait possédé là-bas dans cette bataille et que ce roi de Salem était le même Seigneur Jésus-Christ. Mais Abraham ne s'est pas rendu compte. Il ne savait pas encore qui il était. Il savait que c'était quelqu'un de très important, quelqu'un divin. Et c'est pour cela qu'il lui a donné la dîme de tout à ce roi de Salem. Donc le Seigneur Jésus, c'est pour cela qu'ici, Dieu a donné l'enseignement que Abraham s'est joui lorsqu'il m'a vu, car ce jour-là, ils se sont rencontrés. C'est pour cela que dans Hébreu, il dit que son sacerdoce vient du roi Melchisédek. C'est le même Melchisédek qui est venu à l'encontre avec Abraham
Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Bien, continuons. Oui. Bienvenue, ma sœur Maraluisa, ici en Hollande. Nous sommes tous très heureux de vous avoir ici. Ma sœur, avant tout, je souhaite vous présenter mes excuses, car je n'ai pas su vous défendre comme la leader de l'Église, car des choses ont été dites. Comment vous dire ? Et des choses pas correctes, et moi, j'ai pas su comment vous défendre. Donc, je voudrais m'excuser pour cela. Ma sœur, ma question est basée dans divers versets de la Bible, mais je vais juste recueillir certains dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Oui. Je peux lire? Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et aussi, ma sœur, dans Genèse 4, où il parle la Bible, qu'Adam a connu sa femme Ève. Par la suite, elle a engendré un fils nommé Noé. Et là est la question, ma sœur, à la primogéniture. Caïn, autant que Cher, fut la primogéniture, disons, de toutes les personnes qui sont nées, car il fut le premier qui est né. Donc, le premier-né, et le Seigneur Jésus-Christ est notre primogéniture spirituelle. Donc là, il y a un grand mystère, il y a un grand secret, disons, car nous sommes tous premiers-nés, dédiés pour faire comme lui, de faire les choses correctes, la justice. Donc je voudrais que vous puissiez m'éclaircir un peu ce point-là par rapport à la primogéniture. Exactement, ma sœur, oui. Nous savons qu'aujourd'hui, la primogéniture n'a aucun significatif, disons, que ça n'a plus d'importance. Car le Seigneur Jésus-Christ a accompli, disons qu'il a accompli cette primogéniture que Dieu a donnée dans l'Antiquité à valoriser. Il a fait que l'homme puisse valoriser, que le peuple d'Israël puisse valoriser le droit d'aînesse. C'était quelque chose de très important, la primogéniture. Car le primogéniture, c'était Christ. Et comme Dieu était en train de voir vers le futur, en train de voir son primogéniture Jésus-Christ, c'est pour cela que le Seigneur aussi, au peuple d'Israël, il leur a enseigné cela, cette importance du droit d'aînesse. Mais ce n'était pas tant pour eux, mais pour le futur, car ils savaient que Jésus-Christ, autant que primogéniture, allait être le premier qu'allait mourir et ressusciter. Donc, il disait que ce fut le premier homme qui est mort et qui a ressuscité dans l'Évangile, dans la foi. Et ensuite, tous, il dit que tous, nous allons mourir et nous allons ressusciter. Nous mourrons dans leur semblance du baptême en eau et nous avons ressuscité en Jésus-Christ car nous avons cru en lui. Donc nous sommes ressuscités. Donc cette primogéniture physique qui a existé dans l'Antiquité, aujourd'hui, elle n'a plus d'importance. Car Jésus-Christ fut celui qui a accompli avec cette promesse, cet symbolisme, avec cette typologie. Et lui, il fut la primogéniture. Et lui, maintenant, les choses matérielles, ça ne compte plus. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas pour les primogénitures ou pour les héritages. Maintenant, c'est la partie spirituelle. Dans la partie spirituelle, c'est là que nous devons nous inquiéter beaucoup. Pas tant dans les choses matérielles de la vie. Nous en avons besoin pour que notre corps physique puisse se soutenir. Mais aujourd'hui, il est très important les choses spirituelles. Mener une vie droite et sainte et juste devant Dieu pour ensuite arriver là-bas à vivre avec Dieu dans l'éternité. Maintenant, toutes ces choses matérielles et physiques qui ont existé dans l'Antiquité, aujourd'hui, elles n'ont plus cette même importance. Mais oui, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour que notre vie soit plus agréable devant Dieu. Car notre corps mortel, physique, notre corps physique nous invite ou nous incite à pécher ou à désobéir à Dieu. Peut-être en ne croyant pas ou en n'aimant pas le Seigneur ou en ne suivant pas le Seigneur. De cette façon, notre chair nous incite dans tout cela et c'est pour cela que nous devons nous agenouiller, dire à notre chair « Non,
Je vais aimer Dieu, je vais faire la volonté de Dieu, je vais plaire à Dieu. Voilà, nous pouvons faire cette autorité morale sur nous, sur ce corps physique. Et maintenant, tous les droits d'aînesse, les primogénitures, toutes ces choses-là sont restées en l'arrière dans l'Antiquité. Continuons. Oui. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. J'ai une question, ma sœur, dans Hébreux 10, 25, où il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ma sœur, je voudrais s'il vous plaît que vous puissiez m'expliquer cela. Dans Hébreux, merci ma sœur. Donc, dans Hébreux 10, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. Il est en train de dire que c'est un sacrificateur et le seul chemin qui mène à la vie éternelle, le seul chemin qui nous mène à Dieu le Père, c'est Christ. Donc ici, dans le verset 21, il dit « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, approchons-nous. » L'apôtre nous invite ici, il dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsqu'il parle ici du corps lavé d'une eau pure, ça veut dire la doctrine du Seigneur, la parole du Saint-Esprit en nous. Verset 23. Retournons-nous fermement la profession de notre espérance par celui qui a fait la promesse et fidèle, c'est-à-dire Jésus-Christ ou Dieu. Et considérons-nous les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons-nous les uns les autres, cela veut dire qu'entre nous tous, nous devons nous valoriser, nous devons nous aider et nous devons être là en train de nous consoler et en train d'enseigner les uns les autres, en train de prier pour les uns les autres, pour qu'il y ait cette union du Saint-Esprit, cette chose de Dieu en nous. Et c'est pour cela que dans le verset 25, dans certaines Bibles, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée » comme dans cette Bible où il dit « N'abandonnons pas notre assemblée » car certains ont la coutume de faire cela car ils ne sont pas revenus à se réunir en tant qu'Église, mais qu'ils sont revenus en arrière. Ils sont partis en arrière et ne sont plus jamais revenus à la congrégation à louer et glorifier Dieu. Donc c'est pour cela qu'il dit « N'abandonnons non pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur, ou du moins le jour de la mort de la personne. Car si nous mourons, comment allons-nous être devant Dieu lorsque l'amour viendra nous surprendre? Donc, que le Seigneur vienne ou que nous mourons, nous devons être prêts. Donc, cette congrégation, c'est que nous devons nous réunir autant qu'Église. Regardez qu'ici, ils ne disent pas de cesser de venir à l'église ou ne venez plus à l'église ou l'assemblée. Cela veut dire que vous ne devez pas cesser de chercher Dieu, au contraire, d'être dans les cultes, dans les louanges, dans la prière, car c'est là où il se manifeste les dons spirituels. Dans la congrégation se manifestent les dons spirituels pour que les uns et les autres nous puissions être en train de prier à travers l'imposition des mains, les uns en train de prophétiser, les autres en train de donner des révélations, de la doctrine, des enseignements. Et de cette façon, c'est comme ça qu'à travers cet enseignement que le Saint-Esprit a donné aux apôtres, ils ont enseigné que les personnes devaient se réunir toujours et assister pour glorifier notre Dieu en étant ensemble et pas le faire indépendamment chacun dans leur maison. Car sinon, le diable va venir pour tromper les personnes. C'est pour cela qu'il leur a dit « Rassemblez-vous et qu'il y ait un pasteur, qu'il y ait des anciens dans l'église qui puissent diriger ces réunions. » Voilà ce qu'il disait ici, car beaucoup de personnes recevaient les bénéfices. Dieu leur faisait des miracles, mais plus jamais ils sont revenus à se réunir et à remercier Dieu ou à glorifier Dieu ou à recevoir les dons spirituels. Et c'est pour cela que lui, il était en train de leur dire « Rassemblez-vous pour que vous puissiez recevoir les choses spirituelles. » Car vous, dans votre maison, vous n'allez pas recevoir les dons spirituels. Et en plus, à qui vous allez faire partager ce que Dieu vous a donné? Car nous avons besoin de la congrégation pour prier les uns pour les autres. Donc c'est pour cela que le Seigneur a installé ce que nous appelons « église » ou « les églises ». Nous appelons cela comme ça
les congrégations, nous disons l'Église ou les Églises. Mais réellement, l'Église en général, l'Église est le cœur de chaque personne. Nous sommes la réunion de tous. Nous sommes l'Église du Seigneur. Mais dans chaque congrégation, nous disons le nom de l'Église. Et nous, nous le comprenons de cette façon. Donc, nous devons nous rassembler et ne cessez pas de vous rassembler, il dit ici. Cherchez toujours Dieu, priez Dieu et en train de travailler ce que Dieu vous a donné. Car si vous, vous ne rassemblez pas, alors comment allez-vous faire pour servir Dieu avec les dons qu'il vous a donnés? Voilà ce qu'il veut dire ici l'apôtre dans ce verset 25 de Hébreux. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur, je veux vous manifester ma grande admiration que j'ai pour vous en tant que femme, ma sœur. Ma sœur, ma question de la Bible se trouve dans Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Vous pouvez lire, ma sœur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît ni ce n'est que celui qui le reçoit. Ma sœur, dans ce verset, j'ai deux questions. Quelle est la manne cachée? Est-ce la manne qu'a mangé les peuples d'Israël quand ils sont partis d'Égypte ou est-ce une manne nouvelle pour l'Église nouvelle du Seigneur? Et la deuxième question est la suivante. Le nom nouveau écrit sur ce caillou blanc qui dit que personne ne connaît juste celui qui la reçoit, à quoi il se réfère? Est-ce un homme nouveau que Dieu nous donnera lorsque nous allons nous réunir avec lui dans le ciel? Ma question, ma sœur, c'est aussi pour résoudre un doute que mes enfants me posent toujours, que lorsque nous allons partir au ciel, si nous allons reconnaître nos parents, nos frères, nos sœurs, nos familles, à chaque fois ils me posent cette question. Maman, quand nous allons au ciel, est-ce que tu vas être toujours notre mère? Donc c'est un doute aussi que j'ai. Bien, donc Apocalypse 2, 17, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, c'est-à-dire le croyant qui vaincra, le Seigneur dit, je donnerai de la manne cachée, c'est-à-dire toutes les bénédictions de Dieu. La manne, ce fut une nourriture que Dieu a donnée au peuple d'Israël lorsqu'ils ont été dans le désert durant 40 ans. Là-bas, Dieu leur a donné une manne et tous les jours, ils recevaient la manne, ils la recueillaient et avec cette manne, ils fabriquaient de la farine et de là, ils formaient beaucoup de nourriture et avec cela, ils s'alimentaient. Cette manne cachée, c'est la parole du Seigneur. C'est le même Seigneur Jésus-Christ avec son évangile, avec sa parole qui nous alimente. Il alimente notre âme. Il alimente notre être. Cette manne cachée, c'est cela. Donc nous vivons en train de régner avec Jésus-Christ. Nous sommes en train de régner avec lui tant que nous soyons fidèles à lui, fermes, et que nous marchions avec lui en train de faire sa volonté. Nous sommes en train de profiter de cette manne qui est la parole du Seigneur. Et ça, c'est avoir Dieu avec nous, cette manne. Donc, il dit que celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui la reçoit. Donc nous, sûrement, en ce moment, nous voyons que Dieu, à son église, à ses croyants, il leur a dit ses fils. Dieu n'avait jamais dit les fils de Dieu juste après l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Du moins, là, on sait que ça, c'est un nom nouveau pour nous, être appelé Fils de Dieu. Mais sûrement, ce nom, un jour nous allons le connaître, car cela c'est un mystère. C'est un mystère car il dit que personne ne le connaît, juste celui qui le reçoit. Donc sûrement là-bas dans l'éternité, nous allons recevoir un nom, à part si Dieu est en train de révéler que son nom nouveau est ainsi. Mais pour l'instant, nous avons un nom nouveau qui est l'Église du Seigneur. Ça, c'est un nom nouveau. Fils de Dieu, ça, c'est un nom nouveau aussi. Donc, ça, ce sont les bénédictions que nous recevons de la part du Seigneur. Et par rapport, si nous, là-bas, après la mort, nous allons voir nos êtres, je pense que oui, nous verrons les êtres. Cela dépend où iront ces êtres et où irons nous-mêmes.
Je pense que là-bas, nous allons nous voir. Rappelons-nous l'histoire que le Seigneur Jésus-Christ a racontée du riche et du pauvre nommé Lazare, où il disait que le riche, il est mort, et Lazare est mort aussi. Et il était là-bas, dans le sein d'Abraham. Donc, il y avait une division. Il y avait une grande division qui les séparait. Et ce fut quand ce riche a dit à Abraham qu'il devait envoyer Lazare, et nous voyons que lui s'est rappelé, étant déjà mort, sa personnalité, son esprit de ce riche était là-bas, palpable. Il n'était pas mort, c'est sa chair qui est morte, mais sa personnalité a continué. Et il a dit à Abraham, il lui a dit, « Envoie-moi Lazare. » C'est parce qu'il savait, il était conscient de toutes les choses. Il lui a dit, « Envoie-moi Lazare pour qu'il me donne de l'eau. » Et Abraham, il lui a dit, « Non, lui, il ne peut pas aller là où tu es. Il y a quelque chose qui nous sépare. » Donc, Lazare est là en train de profiter avec moi. Et toi, tu es là-bas en train d'être tourmenté car tu es méchant. Tu as été méchant dans la vie pour avoir été un grand pécheur. Car tu n'as jamais plu à Dieu. Donc là, tu es en train de payer. Donc Lazare est là, heureux à côté de moi. Il ne peut pas aller à tes côtés. Donc il lui dit, donc dis à mes frères. Donc il savait qu'il avait des frères. Il lui dit, dis à mes frères qu'ils se repentissent. Envoie Lazare ou toi, il a dit à Abraham, va prêcher pour qu'ils puissent, mes frères, se repentir et qu'ils ne viennent pas là où je suis en train de souffrir et que mes frères puissent se repentir. Et Abraham, il lui a dit, non. Moi, je ne vais pas aller là-bas à dire ça à tes frères. Car c'est pour cela que là-bas, sur la terre, ils ont la parole. Ils ont déjà la parole de Dieu. Ils ont la loi de Moïse. Ils ont les prophètes. Donc, qu'ils écoutent les prophètes, qu'ils écoutent la loi de Moïse et qu'ils se repentissent eux-mêmes. Ça, ce fut la réponse d'Abraham. Donc, nous voyons comment toutes les choses ont une conscience. Nous voyons que tous là-bas, nous allons être normaux. Nous allons avoir toute la connaissance, toutes les notions des choses. Nous allons nous rappeler de beaucoup de choses. Nous allons nous souvenir de beaucoup de choses. C'est cela. Donc cet exemple nous sert pour que nous puissions savoir comment ça va être dans l'au-delà. Bien. Une autre question? Oui, ma sœur. Ma sœur Maraluisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie pour moi et un honneur d'être face à vous. J'attendais beaucoup d'années ce jour-là. Je voudrais, ma sœur, vous poser une question de la Bible, si vous me le permettez. Oui, ma sœur. Elle se trouve dans Apocalypse, chapitre 22, verset 2 et verset 14 dans le même chapitre. Donc, chapitre 22, 2 et 14. Oui, ma sœur. Donc, Apocalypse 22, 2, 14. Oui. Il dit, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. » Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dans le verset 14, il dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans les villes. » Je voudrais, si vous puissiez m'expliquer ces deux versets. Merci. Il dit dans le verset 1 « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, cette eau de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Ça, c'est la parole, cette eau de vie, c'est la parole, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. C'est ici notre Seigneur Jésus-Christ. Il produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Car les feuilles, comme c'était notre même Seigneur Jésus-Christ, cet arbre, guérison, ça veut dire le salut à différentes personnes qui vivent dans différentes nations du monde qui croient en le Seigneur. Elles recevront ce salut, elles recevront cette guérison de l'âme qui est là écrite. La guérison de l'âme. Et ensuite ici, dans le verset 14, il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ et qui font la volonté de Dieu. Eux, c'est eux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, avoir droit à Jésus-Christ, au salut que Jésus-Christ offre, et pour entrer par les portes qui sont Jésus-Christ, c'est les portes de la ville. Pour entrer, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis la porte ».
Celui qui entrera par moi recevra quoi? Des pâturages. Donc ici il dit, heureux celui qui lave ses robes pour avoir droit à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ et entrer par les portes qui est Jésus-Christ dans la ville qui est la vie éternelle, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Donc, que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide à être ferme et à continuer vers l'avant jusqu'à la mort pour pouvoir profiter avec le Seigneur toutes ces grandes bénédictions qu'il a pour nous, pour ses fils et mon frère. Donc, la dernière question. Goedenavond, zuster Maria-Louisa. Welkom in Nederland. Bonsoir, ma sœur Maria-Louisa. Bienvenue ici en Hollande. En God zegent u. Que Dieu vous bénisse. Ik heb even een vraag over een stuk in Lucas hoofdstuk nummer 6, vers 29. J'ai une question dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 6, verset 29. Luc 6, 29, oui. Ja. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ik heb, maar wat ik wil weten hierover is, ik heb zelf verschillende versporten gedaan, wat ik nu niet meer doe, maar eigenlijk weer zou willen beoefenen. Ce que je veux savoir, ma sœur Maria-Louisa, moi avant, je faisais du sport qui a à voir avec les arts martiaux, et maintenant je le fais plus, et je voudrais savoir. En ik heb ook een dochter, en mijn vrouw is zwanger van een tweede meisje. En ik zou willen weten of het wat uw mening erover is als ik en ik ook later mijn dochters een vechtsport zullen gaan doen om zichzelf te kunnen leren verdedigen. Wat haar mening erover is. Moi, j'ai une épouse et mon épouse est enceinte et j'ai aussi une fille qui est déjà née et je voudrais savoir si c'est bien que ma famille, mon épouse et mes filles pratique les arts martiaux. Est-ce que cela serait correct? Om zichzelf te kunnen verdedigen en het zelfvertrouwen te kunnen krijgen wanneer ze alleen op straat lopen of iets dergelijks. Pour pouvoir se défendre dans n'importe quelle situation. Nos principales armes, c'est Dieu. C'est lui qui nous garde et nous protège. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui les attaquent ou qui vont les séquestrer ou qui vont lui faire des choses mauvaises. Et Dieu fait apparaître des gardiens, fait apparaître par exemple la police. Le Seigneur fait cela, garde et protège ses fils. Donc nous, si on se considère fils de Dieu, alors soyons confiants que Dieu va nous garder et nous protéger. Les sports, parfois il y a beaucoup de choses que nous font pour le sport, il y a beaucoup de disciplines où le corps s'utilise d'une manière ou d'une autre, cela peut être très intéressant. L'apôtre Paul disait que cela pouvait être intéressant. L'exercice physique, oui, c'est très intéressant, mais pas si important comme la vie spirituelle. Il disait cela à Timothée car c'était un jeune, effectuait beaucoup de sport, et il lui disait qu'il fallait qu'il se dédie plus des choses spirituelles à apprendre de Dieu au lieu de faire tant d'exercices physiques car cela ne va pas faire profit à son âme pour rien de cela. Mais c'est pas parce que ça soit mauvais, c'est pas un péché. Les personnes, ceux qui peuvent pratiquer leur sport, bah c'est bien, mais gardez-vous car parfois les sports font que les personnes restent invalides. Bon, cela des fois c'est dangereux aussi. C'est pour cela que l'apôtre disait que cela ne donnait aucun profit. Vous dites que vous avez utilisé un sport, ne commencez pas à penser à cela. Dieu va vous guider, Dieu va vous enseigner et Dieu vous dira si c'est bon ou mauvais pour vos filles.
Chaque jour apporte sa précipitation, dit la Bible. Chaque jour, il y a un souci, c'est-à-dire chaque jour, il y a quelque chose de différent dans la vie de chacun. Parfois, nous faisons des plans et les choses ne se donnent pas comme nous le voulions. Il y a des choses qui se présentent très différentes à ce que nous voulions. Sûrement, Dieu intervient et change nos plans. Donc, de la même façon, ne vous inquiétez pas si les filles vont faire ou étudier ou vous pratiquer le karaté ou pas. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous enseigner. Vous allez le comprendre par la suite ou dans le moment et vous allez prendre une décision. Continuez, cherchez les choses spirituelles, en train de croire en Dieu, en train de prier, lire, apprendre de la doctrine, essayez de plaire à Dieu et de lui servir un jour et Dieu va se charger de toutes les autres choses qui sont très petites. Ce sont des choses petites pour lui et Dieu va vous guider. Ne vous inquiétez pas. Bien. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Je sais que c'est la volonté de Dieu que je peux vous poser cette question. Ma question, c'est par rapport aux visions. Maintenant que le Seigneur nous guide à travers des visions, des songes, les songes peuvent être aussi interprétés. Et ma question est, si les visions aussi peuvent être interprétées? Non, pas à chaque fois les visions peuvent être interprétées. À chaque fois, ce sont des expériences spirituelles que Dieu donne à la personne. Parfois, Dieu donne une vision très claire, très précise, mais d'autres fois, non. Donc souvent, les visions, ce sont difficiles à les interpréter et Dieu ne dit pas qu'il y ait une interprétation de vision. Peut-être il parle d'interprétation de songes, mais pas des visions. Ce sont des expériences. Mais à chaque fois que le temps passe et parcourt dans notre vie et on voit accomplir des choses dans notre vie, là, nous comprenons au fur et à mesure qu'est-ce que Dieu veut nous montrer, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers une vision. Ne vous inquiétez pas pour cela, continuons vers l'avant. Bien, mes frères et sœurs, ce fut un grand plaisir et un motif de grande allégresse d'être ici avec vous. Chantons au Seigneur ce cantique qui dit « Quelle merveille que Christ m'ait choisi ou m'ait trouvé. » Voilà, quelle merveille que Dieu nous ait trouvé, nous ait cherché et nous ait appelé. Je ne sais plus quel est le numéro de ce cantique. Quelle merveille! Nous allons chanter ce cantique et nous allons faire notre prière devant Dieu, prière qui sortira du plus profond de notre être, de notre cœur, pour notre Dieu. Des pétitions, demander à Dieu des miracles, des prodiges, des guérisons. Demander à Dieu qui nous donne les souhaits que nous avons dans notre cœur, qui nous accomplisse toutes ces promesses qu'il nous a faites, qui nous donne de son Saint-Esprit, qui nous donne les dons spirituels. Qu'il bénisse nos personnes, nos familles. Bon, nous allons demander qu'il nous donne des capacités pour que nous puissions apprendre des langues. Vous devez apprendre les langues de chaque pays pour que vous puissiez prêcher. Hommes et femmes, pas que seulement les hommes, les femmes aussi, vous devez apprendre les langues pour pouvoir prêcher aux natifs. Ça, c'est le devoir, mes très chers frères et très chères sœurs. Donc, nous allons chanter au Seigneur. Vous êtes prêts? Le cantique? Salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Béni soit le nom de notre Dieu. Père Saint, merci Seigneur.
Merci Père céleste, éternel Dieu. Notre Père du Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu, puissant qui a fait le ciel et la terre, l'univers, notre Dieu qui a marché avec Moïse et son peuple ancien dans le désert, tu es notre Dieu, tu es le même, celui d'hier, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Merci, notre Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ta création, nous sommes tes créatures, nous sommes là devant toi pour te remercier pour tous les bénéfices que nous avons reçus, pour tes promesses, ta parole, pour ta miséricorde et pour tes bénédictions, pour l'accomplissement de tes promesses glorieuses. Car toi, tu nous as parlé à travers du Saint-Esprit, à travers des dons spirituels. Tu nous as parlé, tu nous as guidés, tu nous as conseillés, tu nous as enseignés et tu nous démontres que tu vis, que tu existes et que tu es un Dieu tout-puissant et que tu mérites l'honneur, la gloire et la louange et que tu mérites que nous présentions devant toi et que nous nous humilions et que nous te louons et que nous t'honorons comme il se doit. Merci éternel Dieu, puissant est le Seigneur. Éternel Dieu, nous te clamons et nous te louons. Ta louange est à toi, ta gloire est à toi. Béni Seigneur, Père Saint, à travers ta présence, à tous ceux qui nous voient à travers la vidéo et tous les frères et sœurs ici qui sont réunis, que tu tendes ta main toute puissante, miraculeuse, en train de faire des guérisons et en train de couper des liens, des chaînes, en train d'enlever des liens, de détruire toute malédiction, en train d'enlever toute chose mauvaise, toute iniquité, toute chose réalisée par ton ennemi, et que tu puisses bénir à chacun d'entre eux, que tu puisses les préparer, que tu puisses préparer leurs pensées, leur cœur, pour que eux ils puissent comprendre ta doctrine véritable, pour que eux ils puissent te suivre, te servir et qu'ils puissent faire ta volonté. Bénis chacun d'eux, mon Seigneur, et que leurs prières arrivent devant ta présence. Que lorsque eux, ils sont en train de te clamer, de prier, en train de te demander des choses, mon Seigneur, que tu sois là après, mon Seigneur, pour les écouter, pour les bénir et pour leur donner la prospérité et leur donner cette consolation et accomplir leurs souhaits, toutes leurs pétitions que eux, ils ont devant toi. Leurs pétitions, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, la nourriture, les vêtements, le toit, toutes les guérisons aussi dans leur corps, la libération dans leur corps et aussi du côté spirituel, que tu sois, Seigneur, en train de verser le pouvoir de ton Saint-Esprit, que tu envoies le pouvoir de ton Saint-Esprit, envoie le pouvoir et le baptême avec ton Saint-Esprit à tous tes fils et envoie aussi, Seigneur, les dons spirituels, ainsi comme le jour de la Pentecôte. Que tu verses, Seigneur, et que tu te manifestes, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, avec ton pouvoir, avec tes dons. Et que tu sois en train de les revêtir chacun avec un pouvoir, en train de les remplir avec ton pouvoir spirituel et en train de les libérer et en train d'enlever tout mauvais esprit qui les empêche de continuer vers l'avant à certaines personnes. Sors vers l'avant et enlève tout mauvais esprit, des mentalités des personnes. Libère-les, Seigneur. Purifie-les, Seigneur, et enlève toute malédiction et regarde ces personnes qui sont là, malades, qui ont des douleurs constantes, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu tends ta main et que tu fasses des miracles, Seigneur. Enlève cette douleur, enlève la tristesse, mon Seigneur, car tu es venu, mon Seigneur, pour enlever ces douleurs, pour donner des guérisons, pour donner de la paix, pour donner de l'allégresse, pour libérer et donner de la consolation. Supplie toute nécessité, mon Seigneur, car tu as envoyé ton Seigneur Jésus-Christ pour nous donner cette consolation, cette paix, cette allégresse, cette joie, ce repos. Aide-nous, Seigneur, pour enfin reposer en Jésus-Christ. Béni soit notre Seigneur. Donne-leur ce soulagement. Et ceux qui souffrent de douleur, Seigneur, de souffrance et de tristesse, cette amertume, Seigneur, enlève toute douleur physique, enlève toutes ces douleurs physiques et sois en train de guérir. Et aussi, Seigneur, l'abattement des âmes,
Réveille l'allégresse en chacun d'eux. Réveille en eux ce Saint-Esprit dans chaque vie. Donne-leur cette joie, cette liberté, cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance de ta parole et de ta vérité. Merci, éternel Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils aimé, gloire à Dieu. Merci, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, béni et louange au nom de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, nous remercions le Seigneur pour ses bénédictions, pour sa miséricorde et pour toutes les bénédictions que le Seigneur va vous donner. Ou plutôt qu'il vous a déjà donné, car il vous a déjà donné les bénédictions. Aussi, à tous ceux qui nous voient à travers la vidéo, il a versé beaucoup de bénédictions à chacun d'entre vous. Donc, partez avec un cœur joyeux et disposé pour suivre et continuer à Dieu. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup en le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.